Et plop les gens, de retour sur Céleste avec Madeline, toujours, on a 175 sur les 160... non, 165 sur les 175 fraises. Pour le moment, on a 3333 morts. Et on a à peu près 100% la face A, sauf la montée au sommet. Parce que voilà, on n'a pas fait Farewell, mais Farewell c'est le DLC du coup, bah c'est adieu là comme c'est noté, mais c'est le DLC qu'il faut faire en fait après le jeu, donc voilà. Ce qu'on va faire c'est rejouer tout le jeu, mais sur la phase B de chaque niveau. Par contre, le prologue, il n'y a peut-être pas besoin. Voilà. Du coup, hop. Là, on a tout et on fait phase B. La cité abandonnée. C'est parti. Ouais. Et c'est là qu'il faut dash, d'accord. Donc voilà, j'ai déjà plus 3333 morts. Ce fut rapide. Heureusement que je voulais montrer. Je sais pas du tout sur les phases B s'il y a des fraises ou pas. Punaise. Ok. Ah zut, pas loin. Ah zut. Mais du coup, c'est des remixes les musiques? Non. Oh zut, trop. Ok. Genre là il y a une cavité et je n'ai pas pu y aller. Ah zut. Et il me semble avoir compris par contre qu'il y avait des cœurs dans Farewell. Non. Dans phase B. C'est bon. Donc là, on saute, on dash, on s'agrippe, on se fait propulser sur le petit, on fait hop hop sous mural. Et après, on passe de l'autre côté et. Ouais. Oups, dommage. Alors oui, mais non. J'avais pas prévu d'aller si loin en fait. D'accord. Oups.
Ah zut. Hop, hop. Ah zut. C'est chaud. Non. On est obligé de... Ok. Ah zut, si on ralentit, ça ne marche pas. Alors. Non. Ah. Ça ne le fait pas. Oh là là, mais il manque presque un dash ici. Et le jeu a envie de nous dire non, non, il manque pas de dash. Je peux pas. C'est ça, au bout de 3 sauts. Elle veut plus s'agripper après. Du coup après on est en mode... Oula. J'étais pas si loin que ça. On est en mode panique et en mode je veux m'agripper. Là j'aurais peut-être pu en plus. Ah trop haut. Oups là. Le demi-tour. Alors, hop, hop. Oh, la phase B, c'est pas la même. Hein. J'ai entendu dire qu'il y avait une phase C. Allez, j'y étais presque là. Oups là, non. Même ça, on n'y arrive pas, quoi. Il est vraiment faisable ce niveau ? Je pense que oui, hein. Surtout si longtemps après la sortie du jeu, je pense qu'il l'aurait corrigé s'il n'était pas faisable. Attendez. Parce que là, j'arrive ici. Si je réussis à ne pas utiliser mon dash, je peux se passer par en dessous ici. J'ai même pas essayé une fois, mais normalement, j'y arrive pas. Non. Si je réussis pas, si j'utilise pas mon dash, je peux aussi stopper mon saut là et attraper le truc en haut plutôt. Là, juste monter là. D'ailleurs. On peut pas atteindre depuis ici.
The. Ah, il y a un petit espace ici, mais de toute façon, c'est... Ah, zut. Il n'y a rien l'air d'avoir caché ici. Ou une astuce qui pourrait me sauver. Oups, non. Hop. Ça ne fonctionne pas. Et c'est... Je peux pas sauter directement, ok, mais si je saute à faire un demi-tour, c'est super dur. Ah, j'y étais pas. Mais du coup, vu que j'y étais presque, ça doit vouloir dire que c'était ça qu'il faut faire. Je suppose. Non. Ou alors il faut que je... Ouais. Je peux pas passer directement de l'autre côté, pas d'ici. Peut-être d'au-dessus, mais c'est compliqué d'y atteindre. Hop. Sans monter, mais juste en sautant, ça peut être suffisant. Ouais, bah c'était ça. Ah. Alors. Pourquoi il y a un... Ah d'accord, j'ai compris. Oh punaise. Donc, si je vais essayer de l'expliquer avec des mots, ce que j'ai compris, je saute pour faire bouger la plaque. J'utilise le potentiellement le trampoline avec un dash en plus, je pense. Je passe au-dessus de tout, je récupère la plateforme qui a bougé tout à droite. Et là, pendant qu'elle vient tout à gauche, je vais sur le trampoline à toute vitesse pour sauter, pour qu'il me fasse sauter par-dessus le pont là-haut avec les pics. Et après, avec un dash, j'arrive tout là-haut. Peut-être avec l'agrippage. Ou un saut au moins.
C'est chaud. Faut pas que j'aille trop au fond, mais faut quand même que je me remette... Oula. Un peu plus sur la droite après. C'est super chaud. Là, je vais trop au fond. Et là, pas assez. Et là, j'arrive sur la plateforme, mais... Ah, faut que je me baisse. Évidemment, il faut que je me baisse. C'est logique. J'ai le temps d'appuyer sur autant de boutons. Bas. Ah, si je vais vers le haut, en diagonale, c'est plus facile de retomber théoriquement, mais la plateforme est déjà repartie. Mais oui, mais faut que je dash et... Oh là là. J'ai compris qu'il fallait que je dash une fois que j'étais accroupi au bon moment. Genre déjà, je suis content d'atterrir sur la plateforme. Là. Ah oui, non, je peux dasher. Ah non, je peux juste monter en fait. Ok. À chaque fois, je voulais prendre le trampoline pour monter, mais comme je l'avais dit au tout début d'ailleurs, mais je peux juste monter comme ça. Voilà. Ça, c'était facile. Bah non, 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 non. Non. Ça sera pas plus facile.
Non, on a dit on saute en vertical et après on va sur le côté. J'aurais pu m'accrocher au-dessus à chaque fois. Alors, ici je peux m'agripper là, dasher au-dessus, et après j'ai plus de dash si je dash au-dessus. Donc il faut que je saute normalement. Non, trop loin. Hop. Hop. Là où je vois du bleu, du coup j'ai l'impression que qu'il y a un secret. Et non, tout ça pour rien. Ah zut. Ok, Ok, je vois. Bah, je voulais même pas faire ça, je voulais sauter. Ça ne marchera pas. Enfin, faire un saut vers en haut et... Là non. Ah, il descend super vite ce... Ah mais non, faut que je descende. Faut que je descende après lui. Hop là.
sérieusement sans dash faire tout ça? Mais oui, mais là je peux. Sans dash, je fais comment? Est-ce que le petit truc tout en bas à droite ça sert à quelque chose? Ce serait hyper étonnant. C'est comme en haut à gauche là, la cavité me donne envie d'aller dasher dedans, mais je ne peux pas. Peut-être qu'à la fin de ce niveau, oh, je viens de voir. Ah bah oui. Avec le petit repose-pied là, ça devient beaucoup plus. Enfin, c'est pas plus facile, on va dire. Mais au moins, je vois qu'il y a une possibilité d'y arriver. Voilà pourquoi il me fallait un autre dash. Mais bon, en soi, mes autres tentatives étaient quasiment toutes utiles. Alors. Ok. J'ai dashé un peu trop tard, mais dans l'idée, c'est ça. Là, il faut pas se faire écraser. Là, il faut pas se faire piquer ni écraser. On a le droit de s'agripper là, mais un quart de seconde. Pareil au-dessus. Sans dasher. Et le dash, c'est ici.
Dash, c'est tout en haut pour aller du, de la plateforme mobile à la plateforme tout en haut. Ici, j'ai le droit à un dash. Ouais, c'est ça. Hop là. Non, 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 j'ai déchi. Comme il fallait pas. Et là, j'ai oublié. Je pars trop sur la droite, du coup. Non. Surpris et content d'atteindre ce truc là que je viens de louper. Du coup non, j'ai pas le réflexe de monter direct. Faut que j'en parle, comme ça ça vient. Non non non, je suis allé vers le bas. Non, il faut quand même s'agripper pour que le truc descende. Ok, je vois. Ah zut, je sautais trop tôt de toute façon. Hop. Hop. Voilà. Alors forcément, non. Ah, il y a une petite plateforme ici. Est-ce qu'il faut... Ouais, il faudrait mieux que je me mette... Non, je sais pas de quel côté. Je sais pas de quel côté il faudrait que... Il faut que je me remette après cette plateforme. Non, trop loin. Ouais. Non. Non, 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 il faut pas que je dash ici. Pourquoi mon bouton B il sautait plus? Et voilà. J'aime faire les mêmes erreurs en boucle. Ah zut.
Je pense que c'est ça, le plus simple en tout cas. Peut-être pas le plus rapide, mais... Là, je peux monter en vertical et après aller à droite, normalement. Ah, j'y étais presque. Non. Non. Toujours pas. Pourquoi des fois j'ai l'impression... Elle veut pas. Non. Je suis allé trop vertical. Ah, ça ne le fait pas. Non. J'ai dit qu'ici je pouvais aller vertical. Ah non! Les piques... Non! Je n'ai pas le droit de dash. Ah! Petit picou! Tout droit on dash. Et par contre on saute en diagonale ici. Oh là là. Voilà. Dédié à ceux qui ont péri dans l'ascension. C'est-à-dire moi. Ah. Ok, j'ai mis trop de temps. Ah. Qu'est-ce que je fais? Qui coupe l'horizon. Non, c'est bon, j'ai pas fait 1111 morts, comme ça j'arrive à 4444.
Bon, et ben la phase B du chapitre 1 est faite. Bel et bien terminée. Donc on va s'attaquer à la suivante, mais pour ça, on le fera dans le prochain épisode, vu que celui-ci dure déjà 40 minutes. Si je commence le niveau suivant tout de suite, voilà, ça va être trop long, tout ça, tout ça. Bref, j'espère que l'épisode vous aura plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces, surtout si vous en avez, si avez envie de les mettre vers le haut, ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me montre que des gens regardent et apprécient mes vidéos, donc ça me fait très plaisir. Et je vous dis à très bientôt.